إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc le cours qu'on va entamer en cette soirée, inshallah, concerne une risala, un petit écrit du Cheikh Abdullah Al-Jarallah rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Risalatun ila kulli muslim, message à tout musulman. Donc c'est une risala dans laquelle le Cheikh fait quelques recommandations à tous les musulmans. Après l'introduction, le Cheikh rahimahullah nous dit: Ayyuhal akhul karim, ta'lamu وفقك الله لطاعته وجعلنا وإياك هداة مهتدين وجمعنا وإياك ووالدينا في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. Donc il dit: tu sais, ô mon généreux, ô honorable frère, qu'Allah te facilite son obéissance et qu'il fasse de toi ainsi que nous des personnes guidées et qui guident, et qu'Allah nous rassemble, nous ainsi que vous, ainsi que nos parents, dans les jardins du paradis, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Akhil muslim, mon frère musulman, تعلم أن الله خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته ووعد من أطاعه بجزيل الثواب وتوعد من عصاه بأليم العقاب. Tu sais qu'Allah تبارك وتعالى, il nous a créés pour son adoration, et il nous a ordonné son unicité et son obéissance, et il a promis à celui qui lui obéit une grande récompense, et il a menacé celui qui lui désobéit d'un châtiment douloureux. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et quiconque obéit à Allah et à son messager aura gagné un grand gain. Et Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il ne fait que s'égarer d'un égarement évident. لذا نلفت نظرك إلى ضرورة ملاحظة ما يلي. C'est pour cela qu'on te demande de prêter attention aux remarques qui vont suivre. أولا, premièrement, لزوم تقوى الله عز وجل وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهي تثمر سعادة الدنيا والآخرة. D'être en constance dans la piété et la crainte d'Allah عز وجل, de lui obéir en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et
en s'abstenant et en s'éloignant de ce qui nous a interdit. Et cela nous fait gagner le bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Pour la parole d'Allah, l'élevé subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, quiconque fait piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une issue favorable et lui donne sa subsistance de là où il ne l'attend pas. فوعد من طاعه بالخروج من كل ضيق وشدة وبالرزق من حيث لا يخطر بباله فلله الحمد على ذلك. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui lui obéit de lui le sortir de toute situation difficile et de lui donner sa subsistance de là où il n'a jamais pensé. Louange à Allah pour cela. كما وعد من طاعه واتقاه بتيسير أموره بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui lui obéit et qui le craint de lui faciliter toutes ses affaires. Pour la parole d'Allah le Très-Haut dans le sens du verset, et quiconque fait piété envers Allah, quiconque craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui facilite ses affaires. كما وعد من طاعه واتقاه بتكفير سيئاته وتعظيم أجره وثوابه بقوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. De même qu'Allah تبارك وتعالى a promis à celui qui lui obéit et qui fait preuve de piété envers lui et qui craint, il le craint, سبحانه وتعالى, de lui expier ses péchés et de lui donner une grande récompense. Pour la parole d'Allah le Très-Haut dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, fait piété envers Allah, Allah lui expie ses erreurs, ses péchés et il lui donne une grande récompense. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالثَّنَاءُ عَلَى ذَلِكَ وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِطَاعَتِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la louange et toutes les éloges pour tout ce qu'il nous a donné et nous lui demandons la réussite et de nous faciliter son obéissance. Thaniyan, deuxièmement, as-sabru ala ma asabaka wal-imanu bi annaha ma hasalat hadhihi al-musiba illa bi qadarillah bi sababi dhunubi al-insan kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin. De faire preuve de patience et d'endurance face au malheur et à tout mal qui nous touche et avoir la foi ferme que tout cela ne nous touche que par la volonté et par le décret d'Allah Azza wa Jal et ceci est causé par nos péchés, les péchés de la personne comme Allah le dit dans le sens du verset et il n'y a pas un mal, un malheur qui ne vous touche si ce n'est parce que vos mains ont semé ou alors ont récolté. Wa min al-iman billah as-sabr ala aqdarillah wa huwa thalathatu anwa'. Et parmi entre dans la foi en Allah tabaraka wa ta'ala de faire preuve de patience envers les décrets divins et il est de trois sortes. Sabr ala ta'atillah bi'adam tarkiha, de patienter dans l'obéissance à Allah sans délaisser cette obéissance. Wa sabrun 'ala al-ma'asi bi'adami fi'liha, et de patienter envers les désobéissances, envers les péchés sans les commettre. Wa sabrun 'ala aqdarillah al-mu'lima bi'adami tasakhhutiha, et de patienter sur les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont durs, difficiles que tu subis, tu dois faire de patience et d'endurance face à ces choses qui te touchent sans insulter ou parler en mal du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله نودي dans le sens du verset et fait bonne annonce aux endurants, à ceux qui patientent, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et certes, c'est vers lui que nous retournerons. Voilà ceux qui auront gagné les prières d'Allah sur eux, ainsi que la miséricorde, et voilà ceux qui sont guidés. » Thalithan, troisièmement. « وَلَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْوَقْتِ الطَّوِيلِ » Allah, tabarak wa ta'ala, t'a certainement donné un long moment, un long temps. Ta vie, elle est longue. Ce sont des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Donc c'est un long moment qu'Allah il te donne qu'il faut profiter. Puis il nous dit en annotation, « وَسَوْفَ تُسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِكَ وَتُحَاسَبُ عَلَيْهَا وَتُجْزَى عَلَى مَا عَمِلْتَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ فَاحْفَظْهَا فِي مَا يَنْفَعُكَ وَصِنْهَا عَمَّا يَضُرُّكَ وَاحْفَظِ اللَّهِ يَحْفَظْكَ. Et plus tard, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, tu seras questionné sur tous ces moments, toutes ces heures, et tu seras jugé dessus et récompensé selon ce que tu as accompli en bien ou en mal. Alors préserve ces moments, ces heures, dans ce qui t'est bénéfique, et préserve-la à l'encontre tout ce qui peut être nuisible, et préserve Allah en accomplissant ce qu'Allah aime, et en s'éloignant de ce qu'Allah n'aime pas, Allah te préservera. وَلَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْوَقْتِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُمْكِنُكَ اسْتِغْلَالُهُ وَالِاسْتِفَادَةُ مِنْهُ فِيمَا يُسْعِدُكَ وَيُقَرِّبُكَ إِلَى رَبِّكَ. Donc, et Allah t'a fait un grand bien en te donnant le temps suffisant dans lequel tu peux profiter des bénéfices dans ce qui t'amènera au bonheur et te rapprochera de ton Seigneur. مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ. En récitant, en lisant le Saint-Coran, en l'écoutant et en faisant le rappel d'Allah, tabarak wa ta'ala, comme le fait de dire « La ilaha illallah », de dire « Allahu Akbar », de dire « Subhanallah »« كَقَوْلِكَ Subhanallah »« والحمدلله »« Wa la ilaha illallah »« Wallahu Akbar » فهذه الكلمات الأربع من أحب الكلام إلى الله وهي غراس الجنة وهي من الباقيات الصالحات. Donc ces quatre formules, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, donc ces quatre formules sont parmi les plus aimées, parmi les paroles les plus aimées d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, et c'est la semence du paradis, et ce sont les bonnes œuvres qui perdurent et qui restent. Wa mithlu qawlika, et de même que ta formule, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, فهاتان الكلمتان العظيمتان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم. Et donc ces deux formules, ces deux grandes formules sur lesquelles a dit le prophète alayhi salatu wassalam, deux paroles, deux formules qui sont légères à la langue, bien aimées auprès du très miséricordieux, lourdes sur la balance, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Wa mislu al-zikr al-muda'af al-ghayr mahdoud, wa huwa ma fi sahih Muslim, an juwayriyata ummil mu'minin, radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة في مصلاها فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات
ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتها. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. Et de même que cette formule, ce rappel, dont la récompense, elle est donnée sans compter. Et ceci est rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après la mère des croyants, Jouayriya, radiyallahu anha, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle pour prier la prière de Subh, la prière de l'aube, et elle était dans son lieu de prière, c'est-à-dire dans la demeure, elle avait un endroit réservé pour sa prière. Et elle est restée assise à cet endroit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la matinée, après le lever du soleil, il lui a dit, « Tu es restée assise là depuis que je t'ai laissé ?» Elle lui a dit oui. Elle était restée assise pour se rappeler d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « J'ai dit après toi quatre formules à trois reprises. Si jamais on venait à les peser sur la balance avec tout ce que tu as dit depuis que je t'ai laissé jusqu'à ce moment, eh ben, elle serait bien plus lourde que tout ce que tu as dit. C'est subhanallahi adada khalqih, subhanallahi rida nafsih, subhanallahi zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. C'est-à-dire, gloire à Allah, autant de fois qu'il y a des créatures. Gloire à Allah, comme il plaît à sa propre personne. Gloire à Allah, du poids du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à Allah, tant qu'il y a de l'encre pour ses paroles, subhanahu wa ta'ala. وَمِثْلُ تِكْرَارِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. De même qu'il est bien de répéter souvent la parole du monothéisme. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة أو 10 مرات. Donc il est bien de dire cette formule soit 100 fois ou 10 fois. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من قالها 10 مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس. Il est rapporté dans les hadiths authentiques que le prophète sallam a dit, celui qui répète cette formule 10 fois, il aura la même récompense que celui qui a affranchi 4 esclaves. ومن قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد مثله يوم القيامة إلا من عمل مثله أو زاد عليه وهذا شيء عظيم لا يستهان به. Ça c'est la fin là, c'est la parole du Cheikh. Donc dans l'autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, et celui qui dit cette formule لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 fois, à 100 reprises, il aura la récompense de celui qui a affranchi 10 esclaves, et il lui sera écrit 100 bonnes actions, et lui seront effacées 100 mauvaises actions, et elle sera une protection pour lui contre le Satan toute sa journée, s'il a dit le matin, jusqu'au soir. Et personne ne viendra avec une chose meilleure que lui, si ce n'est une personne qui a fait la même chose que lui, ou qui l'a répété plus que lui. Et voilà un grand bien qu'il ne faut pas négliger. Rabi'an, quatrièmement. وَلَا تُقَصِّرْ عَلَى نَفْسِكَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَسُؤَالِ الْجَنَّةِ الْمُعَدَّ لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ وَالِاسْتِعَاذَةَ مِنَ النَّارِ لِمَنْ عَصَى اللَّهِ الْمُعَدَّ لِمَنْ عَصَى اللَّهِ. Et ne sois pas négligent vis-à-vis de ta propre personne dans le domaine des du'as, des invocations, de prier, de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer, de lui demander le pardon, de lui demander le paradis qui a été préparé pour ceux qui obéissent à Allah, et de lui demander la protection contre le feu de l'enfer qui a été préparé pour ceux qui désobéissent à Allah. Wallahu ta'ala يذكر من ذكره ويجيب من دعاه. Et Allah, élevé soit-il,
se rappelle de celui qui se rappelle de lui et il répond à celui qui l'invoque. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. وَيَغْفِرْ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ وَيَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, pardonne à celui qui lui demande le pardon. Et il accepte le repentir à celui qui se repent à lui. Et il est celui qui accepte le repentir. Et il est le tout miséricordieux. وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَزُولُ الشَّدَائِدُ وَالْمَكَارِهُ وَالْكُرُوبُ وَمَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Et avec le rappel d'Allah, les cœurs sont apaisés. Et les difficultés, la dureté, tout ce qui est difficile se dissipe avec le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fils d'Adam n'a pas fait une œuvre qui le sauvera plus du châtiment d'Allah, si ce n'est le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Khamisan, cinquièmement. Wa la tansa annaka mas'oulun an awqatika wa muhasabun 'alayha wa majziyun 'ala ma 'amilta fiha min khayrin aw sharrin fala tudayyi'ha bighayri 'amalin wa la tufarrit bi sa'ati 'umrika al-qasir bighayri 'iwad. Et n'oublie pas que tu es questionné, tu es responsable de tous tes moments de ta vie et que tu en seras jugé et tu en seras rétribué selon les actions que tu auras accomplies, soit en bien, soit en mal. Alors ne perds pas ces moments-là sans faire des bonnes œuvres et ne sois pas négligent vis-à-vis des heures de ta vie courte sans faire des choses qui te sont bénéfiques. Sadisen, sixièmement. وَلَا يَغِيبُ عَنْ بَالِكَ أَنَّ لِسَانَكَ سِلَاحٌ ذُو حَدَّيْنِ. Et n'oublie pas que cela n'échappe pas à ta pensée, de ta pensée, que ta langue, elle est une arme qui a deux facettes. فَإِنْ شَغَلَتْهُ بِمَا يَنْفَعُكْ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِلَّا شَغَلَكَ بِمَا يَضُرُّكْ بِالسَّبِّ وَاللَّعْنِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَهِيَ مُحَرَّمَةِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ وَدُخُولِ النَّارِ. Car si tu n'occupes pas ta langue dans ce qui est bénéfique, comme le rappel, l'invocation et la demande du pardon, ta langue t'occupera par ce qui t'est nuisible, comme les insultes, les grossièretés, la médisance et le fait de colporter les paroles des uns vers les autres pour mettre un trouble ou la confusion entre les gens. Et ceci sont des actes interdits. Et ce sont des causes du châtiment et de l'entrée dans le feu de l'enfer. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hal yukabbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Comme a dit le prophète sallam, est-ce que les gens sont jetés dans le feu de l'enfer en premier lieu par leur tête et leur visage, c'est les premières parties du corps qui seront jetées dans le feu de l'enfer à cause de ce que leurs langues ont semé. وليست هذه الأشياء من أوصاف المؤمنين. Et toutes ces mauvaises actions ne sont pas des aspects des croyants. سابعا, septièmement. وعليك يا أخي المسلم أن تجتنب العادات والتقاليد المخالفة للشرع المطهر والتي صارت عادات مألوفة لدى كثير من الناس هداهم الله وأخذ بنواصيهم إلى الحق. Et il faut que tu saches, ô frère musulman, que tu te dois de t'éloigner des mauvaises coutumes, des mauvaises manières qui sont contraires à la législation pure et qui sont devenues des façons de faire, des coutumes propagées chez beaucoup de musulmans, qu'Allah les guide et qu'il les prenne vers la vérité. وَذَلِكَ مِثْلُ شُرْبِ الدُّخَانِ وَالشِّيشَةِ وَإِسْبَالِ الثِّيَابِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَحَلْقِ اللِّحَى وَاسْتِمَاعِ الْأَغَانِي. Parmi ces mauvaises choses qui se sont propagées, il y a de fumer la cigarette, de fumer la chicha,
de laisser pour les hommes les vêtements traînés en dessous des chevilles, de se raser la barbe et d'écouter la musique et les chansons. فالتدخين بأنواعه ضار بالصحة والمال والمجتمع بالروائح الكريهة فهو من جملة الخبائث المحرمة بنص القرآن الكريم. Donc, de fumer la cigarette, dans la fumée, dans toutes ses sortes, quelques différentes sortes, est mauvaise pour la santé, pour l'argent de la personne, ainsi que pour la société, à cause des mauvaises odeurs que cela laisse. Donc, ça fait partie des choses mauvaises, interdites, comme on le retrouve dans le Coran. لقول الله تعالى في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا الله تبارك وتعالى نودي dans le Coran, en nous parlant de son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, une de ses missions, qui est sa mission, qui est de il vient à autoriser les bonnes choses et à interdire les mauvaises choses. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. Et le prophète sallam a interdit de dépenser inutilement son argent, d'amener son argent et ses biens à la perte. وَأَيُّ إِضَاعَةٍ أَعْظَمُ مِنْ إِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ. Et quelle est la plus grande perte, si ce n'est que de brûler cet argent avec le feu. وَلَوْ رَأَيْنَا شَخْصًا يَحْرِقُ نُقُودَهُ بِالنَّارِ لَحَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالْجُنُونِ. Si on vient à voir une personne qui brûle l'argent, qui vient allumer le feu sur l'argent, on jugera cette personne comme étant une personne folle, qui n'est plus dotée de raison. فَكَيْفَ بِإِحْرَاقِ الْجِسْمِ وَالْمَالِ وَالصِّحَةِ جَمِيعًا. Que dire alors de quelqu'un qui vient à brûler son propre corps, son argent, ainsi que sa santé. وَسَوْفَ يُسْأَلُ الْإِنسَانِ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. Et la personne sera questionnée sur ses biens, sur ses richesses, sur son argent, comment il l'a acquis et dans quoi il l'a dépensé. وَأَذِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ بِالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَ حَرَامٌ. Et de nuire aux musulmans avec les mauvaises odeurs est interdit. ثُمَّ إِنَّ الْإِنسَانَ قدوة لأولاده وأقاربه ومجتمعه في الخير أو في الشر إما أن يقودهم إلى الجنة أو إلى النار. هدانا الله وإخواننا المسلمين سواء السبيل وأعاذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان. Et la personne, elle est un bon exemple, elle est un exemple à suivre pour ses enfants, pour ses proches, pour sa société, en bien ou en mal. Soit il est guide vers le paradis, ou il est guide vers le feu de l'enfer. Qu'Allah nous guide, qu'ainsi que nous, tous nos frères musulmans, vers le droit chemin, et qu'il nous préserve, ainsi que eux, des mots qui proviennent de nous-mêmes, ainsi que les mots qui découlent de nos œuvres, et des suggestions sataniques. وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمْ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ الدُّخَانِ وَشِرَاؤُهُ وَثَمَنُهُ. Et selon ce qu'on vient de voir, il est à savoir qu'il est interdit de vendre les cigarettes, de les acheter, et l'argent gagné de cette marchandise est interdite. لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ. Car lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit une chose, il nous interdit son prix et sa valeur. Thaminan, huitièmement. Wa isbalu al-malabis asfala min al-ka'bayn min kaba'ir al-dhunub al-mutawa'ad 'alayha bil-wa'id al-shadid. Et de laisser traîner ses vêtements pour les hommes en dessous des chevilles fait partie des grands péchés dont il y a une menace d'Allah tabaraka wa ta'ala, une grande menace. وَمِنْ مَظَاهِرِ الْكِبْرِ. Et ça fait partie des choses qui font apparaître l'orgueil. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ. Il n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil, كَمَا فِي الْحَدِثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمِ. Comme cela est relaté dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
تاسعا نفيمون وحلق اللحية معصية لله ولرسوله. Et de se raser la barbe est une désobéissance à Allah ainsi qu'à son messager عليه الصلاة والسلام. وتشبه بالنساء, et c'est une façon de ressembler aux femmes. الملعون فاعله, alors que celui qui essaie de ressembler à une femme, cet acte-là est un acte qui ramène la malédiction. وتشبه بالمجوس واليهود والمشركين, et c'est aussi une façon de ressembler aux mages, aux zoroastriens, les adorateurs du feu, qui est la religion des anciens perses, ainsi que les juifs et les polythéistes. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم, et dans le hadith il est rapporté, celui qui vient à imiter, à vouloir ressembler à un peuple, il en fait partie. Hadith Hassan, rawahu Abu Daoud wa Tabarani wa ghayruhuma. C'est un hadith qui est bon, rapporté par Abu Daoud wa Tabarani et d'autres que eux deux. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa huwa yadullu ala tahrim at-tashabbuh bihim wa in kana zahiruhu yaqtadi kufra al-mutashabbih bihim. كفر المتشبه بهم. Et il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, et ce hadith est une preuve, est un argument sur l'interdiction de vouloir ressembler, imiter ces gens-là. Bien que l'apparence du hadith nous fait voir que celui qui vient à le faire, il tombe dans la mécréance. Mais c'est l'explication qu'il donne le Cheikh en disant que le hadith prouve cette interdiction, mais qui peut amener même à la mécréance selon l'intention de la personne. Ashiran, dixièmement. وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَفُ الْأُمَّةِ عَلَى الْأَغَانِي وَاسْتِمَاعِهَا بِالتَّحْرِيمِ. Dixièmement, et Allah tabaraka wa ta'ala a jugé, ainsi que son messager, ainsi que les pieux prédécesseurs de cette communauté, ont jugé la musique et le fait d'écouter la musique comme étant un acte interdit. لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتنبت النفاق في القلب وتصد عن الحق وتجر إلى الضلال. Pourquoi? Parce qu'elle éloigne, elle détourne du rappel d'Allah, de la prière, et elle fait pousser dans le cœur l'hypocrisie, et elle repousse la personne de la vérité, et elle l'amène vers l'égarement. وتشغل عن استماع القرآن الكريم والاستفادة منه. Et elle occupe la personne au lieu qu'elle écoute le à la place de l'écoute du Coran et de profiter de cette écoute du Coran. فمحبة القرآن ومحبة الأغاني ضدان لا يجتمعان فالله المستعان. Et donc l'amour du Coran et l'amour de la musique et des chansons sont deux choses contradictoires. Ils ne peuvent jamais se rassembler. Qu'Allah nous préserve. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ تَسْجِيلُ الْأَغَانِي وَبَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا وَثَمَنُهَا. Et selon ce qu'on vient de voir, on comprend l'interdiction d'enregistrer les chansons et la musique, de vendre ces choses-là, de les acheter, ainsi que l'argent gagné par ce biais-là. لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous interdit une chose, il nous interdit le bénéfice ou le prix ou la valeur de cette chose qui est interdite. وَفِي الْحَلَالِ بَرَكَةٌ وَكِفَايَةٌ عَنِ الْحَرَامِ. Et sachez que dans ce qui est autorisé, dans le licite, il y a de la bénédiction et il y a suffisance contre l'interdit. والذي يأكل الحرام لا يقبل منه عمل ولا يستجاب له دعاء. Et celui qui mange l'interdit, ses œuvres ne sont pas acceptées de lui et ses du'as ne sont pas exaucés. حادي عشر, onzièmement. أخي المسلم لا بد لك من جلساء وأصدقاء فعليك بمجالسة الأخيار الصالحين الأتقياء المطيعين لله. Mon frère musulman, il te faut obligatoirement des compagnons, des amis. La personne a besoin d'être accompagnée. Donc, prends comme compagnons d'assises les bonnes personnes, les vertueux
les pieux, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, wahdhar mujalasat al-ashrar al-usat lillah, et méfie-toi de t'asseoir avec les mauvaises personnes, les désobéissants, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mar'u mu'tabarun biqarinihi wa sawfa yakunu ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Et la personne, on la juge selon les personnes avec lesquelles il a l'habitude d'être. Et la personne, elle est sur le même chemin, sur la même religion que son ami intime, alors que chacun regarde avec qui il est ami intime. فَكَمَا يُقَلِّدُ الْإِنسَانَ مَنْ حَوْلَهُ فِي أَزْيَائِهِمْ يُقَلِّدُهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَيَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِهِمْ. De même que la personne imite ceux qui sont autour de lui, son entourage, dans la façon de s'habiller, il viendra les imiter dans leurs œuvres et il viendra les imiter dans leur comportement et caractère. ثاني عشر douzièmement. أخي المسلم وسوف تسأل عن ما تستمع إليه أو تنظر إليه وعن ما يكنه ضميرك فحاسب نفسك في هذه الأشياء قبل أن تحاسب. Frère musulman, sache que tu seras questionné sur ce que tu écoutes et sur ce que tu regardes et sur ce que ton fort intérieur veut vraiment faire. Alors, juge-toi, juge ta propre personne sur toutes ces choses avant que tu sois jugé. فَلَا تَسْتَمِعْ إِلَى مُحَرَّمْ. Alors, n'écoute pas ce qui est interdit. كَالْأَغَانِي, comme la musique et les chansons. وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مُحَرَّمْ. Et ne regarde pas les choses qui te sont interdites. كَالْعَوْرَاتِ, comme les parties intimes. والنساء comme les femmes, الأجنبيات les femmes qui te sont étrangères, اللاتي لسنا من محارمك ces femmes qui ne sont pas tes mahram, ونوي الخير et toujours l'intention et l'envie de ton fort intérieur de vouloir faire le bien, تثب عليه et avec cette envie et cette bonne intention tu en auras la récompense, وفكر فيما ينفعك et réfléchis et pense dans ce qui t'est bénéfique. وَلَا تُفَكِّرْ فِي مَا يَضُرُّكْ. Et ne pense pas, ne réfléchis pas sur ce qui t'est nuisible. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Allah, le Très-Haut, nous dit إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dans le sens du verset, certes, sur l'ouïe, la vue et la raison, le cœur qui est dans le cœur, sur toutes ces choses, tu en seras questionné. ثالث عشر treizièmement. أخي المسلم وإذا أردت أن يتقبل الله منك عملك وتتصف بصفات المؤمنين الأبرار فلازم تقوى الله عز وجل في جميع أوقاتك وحياتك القصيرة. Mon frère musulman, si tu veux qu'Allah accepte de toi tes œuvres et que tu sois une personne dotée du comportement des croyants vertueux, alors sois en constance tout le temps pieux, fais preuve de piété envers Allah, tabarak wa ta'ala, dans toutes tes heures et dans toute ta vie qui est en réalité courte. Wa hafidh ala salawat al-khams. Et préserve et sois assidu à tes cinq prières obligatoires, fi awqatiha, dans leurs heures prescrites, ma'al jama'a fil masajid. Et de la faire en groupe dans les mosquées, ceci c'est pour les hommes. Wa hafidh ala al-nawafil. والسنن قبلها وبعدها. Et préserve aussi et sois assidu aux prières surérogatoires qui se font avant et après les prières obligatoires. لأنها تجبر ما نقص منها. Car ces prières surérogatoires qu'on prend l'habitude de faire avant les prières obligatoires ou après les prières obligatoires, elles viendront à combler le manque à gagner dans les prières obligatoires. وحافظ على صلاة الوتر. Et sois assidu à la prière de l'witr. فَهُوَ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Car c'est un devoir pour chaque musulman. وَالصَّلَاةُ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَهِيَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبُ وَالْأَثَامُ وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ فَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ الْمُذْهِبَ لِلسَّيِّئَاتِ.
Et la prière, c'est une relation entre le serviteur et son Seigneur. Et elle vient à expier les péchés et les fautes. Et elle vient à t'éloigner des turpitudes et du mal. Et c'est parmi les meilleures bonnes actions qui viennent à effacer et à faire partir et disparaître les mauvaises actions. Rabi Achar, 14e. Wa'alam ya akhi al-muslim, anna man arafa al-haqqa, fattaba'ahu, wal-batila, fajtanabahu, hadahu Allah, wawaffaqahu, wataqabbala minhu a'malahu. Sache, mon frère musulman, que celui qui a connu la vérité, puis l'a suivi, et qui a connu le mal, puis s'en est éloigné et abstenu, Allah le guide, et il lui facilite, et il accepte de lui ses œuvres. بدليل قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Pour la parole d'Allah, le Très-Haut, dans le sens du verset, et ceux qui font preuve de guider, il leur rajoute dans la guider et il leur donne leur piété. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Et pour la parole d'Allah, le Très-Haut, dans le sens du verset, et Allah rajoute à ceux qui font preuve de guider une guidée. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Et Allah nous dit aussi dans le sens du verset, et ceux qui font des efforts en nous, qui font des efforts dans la religion pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous les guiderons vers nos chemins. وعلى عكس ذلك من عرف الحق فتركه والباطل فارتكبه يكون بعيدا عن التوفيق. Et contrairement à cela, celui qui a connu la vérité, mais ne l'a pas accompli, et qui a connu le mal, mais qui a commis ce mal, celui-là, il sera très très loin de la réussite. بدليل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pour la parole d'Allah le Très-Haut, dans le sens du verset, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur, et Allah ne guide pas un peuple pervers. فلما عرفوا الحق وتركوه والباطل فارتكبوه عاقبهم الله بزيغ قلوبهم. Lorsqu'ils ont connu la vérité et ils l'ont délaissé, et ils ont connu le mal et ils l'ont commis, Allah les a punis par la déviance dans leur cœur. وأخبر أنه لا يهدي من خرج عن طاعته. Et Allah nous informe qu'il ne guide pas celui qui sort de son obéissance. بعد أن عرفها, après qu'il l'ait connu. فليحذر المسلم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله لئلا يغلق على نفسه أبواب الهداية والتوفيق. Donc que le musulman soit averti et qu'il fasse attention d'aller à l'encontre de l'ordre d'Allah et de l'ordre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas fermer les portes de la guidée et de la réussite sur sa propre personne. Khamis Achar, 15e. Akhil muslim, wa la tansa an tad'uwa rabbaka bi salahi dinika wa dunyaka wa akhiratak, faqad amara Allahu bid du'a wa takaffala bil ijaba. Frère musulman, n'oublie pas d'invoquer ton Seigneur, de te réformer dans ta religion, dans ta vie d'ici-bas, ainsi que pour la vie de l'au-delà. Et Allah t'a ordonné, t'a commandé de faire les du'as, et il s'est pris garant de te répondre et d'exaucer ta demande. « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » dans le sens du verset, « Et votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. »« Wa huwa subhanahu la yukhlifu al-mi'ad » بشرط أن نستجيب له فنطيعه ونؤمن به ثم ندعوه فيستجيب لنا. Mais, et donc Allah, glorifié soit-il, répond toujours, subhanahu wa ta'ala, et garde toujours son engagement, à condition que nous-mêmes, nous respections notre engagement, en lui obéissant, en croyant en lui, puis en l'invoquant. Et Allah répond à notre demande. فَكَمْ أَجَابَ مِنْ دَعْوَةٍ وَكَمْ كَشَفَ مِنْ كُرْبَةٍ وَكَمْ أَجَارَ مِنْ مُسْتَجِيرٍ وَكَمْ شَفَى مِنْ مَرِيضٍ وَكَمْ أَزَالَ مِنْ شِدَّةٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالثَّنَاءُ عَلَى ذَلِكَ. Combien de fois Allah tabaraka wa ta'ala
à exaucer une invocation et à enlever la difficulté et est venu au secours de celui qui lui a demandé et il a guéri le malade. À Allah, les éloges, la louange pour cela. Et parmi les du'as les plus englobantes, les plus complètes, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et là le cheikh il nous cite quelques du'as qui sont bonnes à dire. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab fa inna hadha ad-du'a shamil li khayr ad-dunya wal akhirah. Ce du'a il englobe le bien, tout le bien pour ce bas monde ainsi que pour l'au-delà. 16e. يا أخي المسلم أدعوك إلى التوبة الصادقة قبل أن تموت بترك المعاصي والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل والاستغفار من ذلك فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو فرير مسلمان je t'invite à te repentir d'un repentir sincère et véridique avant que la mort ne te touche, en délaissant les péchés et de regretter tout ce que tu as pu commettre dans le passé et d'avoir la ferme intention de ne plus retourner à ce mal dans le futur et de demander le pardon pour cela. Car Allah accepte le repentir de celui qui se repent et il pardonne à celui qui lui demande le pardon. Et celui qui se repent du péché est comme celui qui n'a pas de péché. قال الله تعالى الله le Très-Haut dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. أي إذا تُبْتُمْ أَفْلَحْتُمْ وَفُزْتُمْ وَنَجَحْتُمْ. C'est-à-dire, si vous venez à vous repentir, alors vous avez réussi et vous avez gagné. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Et Allah le Très-Haut dit ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous expie vos péchés et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des jardins. والمعنى إذا تبتم إلى الله تعالى توبة صادقة كفر الله عنكم سيئاتكم وغفر لكم وأدخلكم جنات النعيم. Le sens est que si vous vous repentez à Allah le Très-Haut, d'un repentir sincère, Allah vous expie vos péchés et il vous pardonne et il vous fait entrer dans des jardins du paradis. وَهَذَا غَايَةُ مَا يَتَمَنَّهُ الْمُسْلِمُ وَيَرْجُوهُ. Et voilà le but même recherché par le musulman et l'espoir qu'il a. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset ô vous, dit ô mes serviteurs qui avez désespéré ou qui avez fait beaucoup de mal à vos propres personnes, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. نَهَى اللَّهُ فِي هَذِي الْآيَ مِنَ الْقُنُوتِ. Allah, dans ce verset, interdit de désespérer. وَهُوَ قَطْعُ الرَّجَاءِ مِنْ رَحْمَتِهِ. Et c'est le fait de ne plus avoir espoir en sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas permis pour le musulman qui est encore en vie. Il se doit d'avoir toujours espoir et d'avoir une bonne pensée
en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara annahu yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Et Allah nous informe qu'il pardonne tous les péchés. Ay lit-ta'ibin wal-mustaghfirin. C'est-à-dire qu'il pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent et à ceux qui demandent le pardon. Li'annahu ta'ala huwa al-ghafur rahim. Car il est, élevé soit-il, le pardonneur et le miséricordieux. Wa qala ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Dans le sens du verset, et certes je suis pardonneur pour celui qui se repent, qui croit, qui fait des bonnes œuvres, puis qui est guidé. Fa wa'ada ta'ala bil maghfira liman taba fi jami' al awqat min jami' al dhunub was sayyi'at wa amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi إيمانا صادقا وعمل عملا صالحا خالصا لله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وهم الأقارب ثم استمر واستقام على الهداية والإيمان والعمل الصالح حتى يموت. Et donc Allah Tabaraka wa ta'ala a promis le pardon à celui qui se repent en tout temps pour tous les péchés et toutes les fautes et qui croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, bon ou mauvais, d'une foi véritable, sincère et qui fait des bonnes œuvres sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme la salat, comme la zakat, comme l'aumône, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme l'obéissance et le respect des parents, comme le fait de préserver les liens de sang avec les proches parents, et qui persiste en cela, et qui reste droit et ferme sur la guidée, dans la foi et les bonnes œuvres, jusqu'à qu'il meure. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ لِلْمَغْفِرَةِ. Voilà quatre causes pour le pardon. وَهِيَ الْإِيمَانُ الصَّادِقُ والعمل الصالح والتوبة النصوح والاستمرار على ذلك. Et ces quatre causes sont la foi véritable et sincère, les bonnes œuvres, le repentir sincère et véritable, et de perdurer, de persister en cela jusqu'à la mort. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'élevé soit-il a dit, c'est un hadith à thème divin, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient, venaient à atteindre le ciel, tellement que tu as des péchés, ça atteint le sommet du ciel, puis tu viens me demander pardon, alors je te pardonnerai. Rapporté par At-Tirmidhi et qui dit que c'est un hadith qui est bon et authentique. فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّجَاءِ لِلتَّائِبِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالرَّاجِينَ رَحْمَتَهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du repentir, du pardon, de l'espoir, de l'espérance pour ceux qui se repentent et ceux qui demandent le pardon et ceux qui espèrent sa miséricorde. كَمَا فَتَحَ أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ للداعين والزيادة للشاكرين فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك. De même qu'il a ouvert les portes de l'acceptation de ceux qui l'invoquent et de rajouter à ceux qui le remercient, qui le louent, à Allah la louange et les éloges pour tout cela. ونسأله المزيد min fadlihi wa rahmatihi. Et nous lui demandons de nous accroître dans ses bienfaits et dans sa miséricorde. Wa yaj'alana mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha aznaba astaghfar. Et qu'il fasse de nous des personnes qui, lorsqu'on nous est donné, nous savons remercier. Lorsqu'on est éprouvé, nous savons patienter et faire preuve d'endurance. Et lorsque nous commettons un péché, nous savons demander le pardon. 17 17. أخي المسلم أسأل الله تعالى لي ولك ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق
وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياك ووالدينا في جنات النعيم، وأن يعيذني وإياك ووالدينا من عذاب الجحيم، آمين. Mon frère musulman, je prie Allah tabaraka wa ta'ala pour moi ainsi que pour toi, ainsi que pour tous les musulmans, qui nous donne la guidée, la réussite. Et je lui demande par ses plus beaux noms et ses attributs élevés de nous rassembler, nous ainsi que nos parents, dans les jardins du paradis, et qu'il nous préserve, nous ainsi que nos parents, de son châtiment du feu de l'enfer. ثامن عشر 18 أدعية جامعة. Donc dans ce 18 le شيخ nous cite quelques دعاء qu'on va lire إن شاء الله. اللهم أعنا على ذكرك. أدعية جامعة. Ce sont des دعاء qui sont complets. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. 19 19 c'est le dernier point. أخي المسلم, mon frère musulman, احذر من التعامل بالربا سواء كان عن طريق البنوك أو عن طريق المساهمات المشبوهة، وإياك والكسب الحرام عن طريق بيع المحرمات كالدخان وآلات اللهو وأشرطة الغناء والفيديو وغيرها مما حرم الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. Méfie-toi de faire des transactions qui sont interdites comme les intérêts, l'usure, al-riba, que ce soit par le biais des banques ou par le biais d'autres organismes. Et méfie-toi de gagner de l'argent par des biais qui sont interdits, comme la cigarette, ou comme les instruments de musique, ou comme les audios de musique, et de même que les vidéos, et bien d'autres choses qu'Allah et son messager ont interdit. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. رواه البيهقي وابو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه. Et dans ce hadith, le prophète sallam a dit, tout corps, toute chair de peau qui a poussé, qui a grandi par l'interdit, le feu est prioritaire sur lui. C'était l'avant-dernier, et le 20e, c'est le dernier, les moyens de préserver la sûreté et la sécurité dans la population. وأذكرك يا أخي المسلم بأن الإسلام حفظ الدين بقتل المرتد عن الإسلام، وحفظ النفوس بقتل القاتل عمدا، وحفظ العقول بجلد شارب الخمر 80 جلدة، وحفظ الأموال بقطع يد السارق، وحفظ الأنساب بجلد الزاني البكر 100 جلدة، ورجم الزاني المتزوج حتى يموت، وحفظ الأعراض بجلد القاذف 80 جلدة. Et parmi ces moyens pour préserver la sécurité et la sûreté, hein, je te rappelle, frère musulman, que l'islam est venu pour préserver la religion en donnant comme sentence la peine de mort pour celui qui quitte l'islam. Ça, ce sont les autorités qui appliquent toutes ces sentences. Mais pourquoi elles existent? C'est pour préserver la nation et de préserver les vies en tuant, en condamnant à mort l'assassin
celui qui tue volontairement, en préservant la raison, en fouettant celui qui boit le vin 80 coups de fouet, en préservant les richesses, en coupant la main du voleur, en préservant les liens de sang, les liens de famille, en fouettant celui qui a commis l'adultère et qui n'a jamais été marié 100 coups de fouet, et pour celui qui a déjà été marié en le lapidant jusqu'à la mort, et en préservant l'honneur des gens, en fouettant celui qui a outrepassé les limites, qui a touché l'honneur de son prochain de 80 coups de fouet. Ça, ce sont les sentences dans les lois de l'islam qu'accomplissent les autorités. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ Louange à Allah pour tout cela. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسُبْحَانَكَ رَبِّ حَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ.